Hola amigos, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment que je vous avais pas fait de vidéo, donc aujourd'hui je reviens. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo coup de gueule. Voilà, cette vidéo franchement c'était pas vraiment prévu. Voilà, j'avais prévu d'autres vidéos que j'ai fait avant, mais j'avais pas fait encore de montage. Bref, donc aujourd'hui je vais vous montrer ce produit là. Vous devez tous connaître ce produit-là. Et si vous ne connaissez pas, ce produit, enfin, cette chose-là, c'est pour extraire la cire de vos oreilles. Je ne sais pas si vous dire ça comme ça, mais pour enlever la cire de vos oreilles qui est dedans et que vous ne pouvez pas enlever avec les cotons-tiges et compagnie. J'ai vu ce produit dans des pubs de candidats de télé-réalité sur Snapchat. Et j'ai décidé donc de l'acheter. Franchement, j'étais super contente. Je me suis dit, mais c'est génial ce truc, franchement. Parce qu'ils vous montrent tout ce qu'ils ont réussi à enlever de leurs oreilles. Je me dis, mais c'est un truc de fou quand même. Donc du coup, j'ai été tentée. Je l'ai acheté. Et en utilisant leur code promotion, bien sûr. Donc, quand j'ai commandé, je l'ai reçu. J'étais trop contente. Je l'ai utilisé. Et quand j'ai vu tout ce qu'il y avait, je me suis dit, waouh. Mais tout ça, t'avais chez toi, là. Ça veut dire que tout ça, tu l'avais ancré dans tes oreilles. Vraiment. Waouh. Bon, passons. Donc, j'essaye dans l'autre oreille. Pareil, la même chose. Je me dis, mais c'est un truc de fou. J'essaye dans les oreilles de mon copain. Pareil. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais toi aussi, autant de cire dans les oreilles. Mais c'est un truc de fou quand même. Et je me suis dit, mais quand même, c'est bizarre. Je vais le faire. Je vais le brûler sans le mettre dans les oreilles pour voir si vraiment c'est vrai. Et je le brûle. Figurez-vous qu'il y avait la même chose. Je me suis dit, mais attends, il a pompé où toute cette cire en fait? C'est où qu'il l'a enlevé? Parce que je ne l'avais pas dans mes oreilles. Donc ici, il y a un souci là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert une paille là comme ça pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Et en fait, il, comme je ne sais pas qu'est-ce que c'est, que quand ça brûle, eh ben, ça devient marron. Donc ça veut dire qu'on nous prend, mais vraiment... vraiment pour des quiches. C'est incroyable. Je me suis dit, mais c'est quand même fou de pouvoir prendre les gens pour des imbéciles pareils. Ça veut dire que tu payes ça quand même une certaine somme, même si c'est pas une somme extraordinaire, mais quand même c'est une somme, je veux dire. Et en fait, c'est de l'arnaque, mais l'arnaque complète. Donc franchement, moi je me suis dit, mais c'est la dernière fois que j'achète quelque chose que je vois des gens de télé vendre. Parce que c'est quand même incroyable de faire des choses pareilles en sachant que eux-mêmes ils doivent le savoir que c'est pas vrai quand même. Je sais pas, tu peux pas vendre quelque chose alors que tu sais qu'en fait c'est pas vrai. C'est peut-être pas tous les produits qui font de la pub que c'est de l'arnaque ou que c'est pas bien, mais quand même il y a des choses ils devraient vraiment pas faire parce que ça se fait vraiment pas. C'est quand même vraiment grave. C'est comme par exemple, je vais vous raconter une autre chose. Une fois j'ai vu un des candidats qui présentait un produit. Et je me suis dit, mais attends, c'est bizarre, ça je l'ai chez moi aussi. Je vais regarder par curiosité combien ça coûte. Donc je regarde et le truc, c'était une petite bave waterproof. Donc moi, je l'ai payé 11 euros. Et devinez combien, en sachant qu'il y avait soi-disant leur code promo déjà. Devinez combien c'est? 49 euros. 49 euros, s'il vous plaît. Mais quand même, j'ai fait ma pigeonne et j'ai acheté ça. Moi, il faudrait m'expliquer, c'est de la cire à qui, ça? Ça, là, c'est de la cire à qui? Hein? Bref. Donc voilà, c'était ma petite vidéo coup de gueule. S'il vous plaît, arrêtez d'acheter ce genre de choses. Quand vous voyez des candidats de télé-réalité ou d'autres, pour vous présenter, alors qu'en fait, c'est
N'importe quoi. Ça, c'est en plus de ça, ces trucs-là, vous pouvez trouver sur Wish, sur Amazon, beaucoup moins cher. Et pas mal de produits qui vous présentent, c'est pareil. C'est pareil. Vous trouvez beaucoup moins cher. Donc voilà, pour vous dire que j'étais dégoûtée d'avoir acheté ça alors que c'est la vraie arnaque. Voilà. Donc c'était ma vidéo coup de gueule. J'espère que cette vidéo va vous aider à pas gaspiller votre argent pour rien. Je vous dis à très très bientôt et je vous embrasserai très fort. Bye!